Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au dernier ticket de la loterie suisse romande. Je dis dernier parce qu'ils sont pas nouveaux. Bah ouais, ils sont déjà sortis il y a un petit moment. Donc ils sont pas nouveaux. Mais c'est quand même les derniers tickets de la loterie suisse romande. Ça, c'est au moment où je tourne la vidéo. Mais d'ici que je finisse le montage et que je la mette en ligne, la loterie suisse romande nous aura bien pondu de nouveaux tickets. Alors pour ceux qui suivent le Café des Gratteurs qui se déroule tous les jeudis soirs en live à 21h sur la chaîne de Hydrostone, vous avez pu voir que j'ai déjà gratté ces tickets et que j'ai gagné 20 francs sur l'un d'entre eux. Mais voilà, ceux-là, on me les avait offerts. Mais ceux qu'on va gratter dans cette vidéo, c'est moi qui les ai achetés. Alors, ce nouveau... Ce dernier jeu, je voulais dire, pardon. C'est quoi exactement? C'est un jeu extrêmement simple, genre cash ou jackpot, mélangé à du fois quelque chose. Les règles sont plutôt simples. Tu découvres un certain nombre de numéros soi-disant gagnants suivant le ticket, et le but est de retrouver un maximum dans la grille de jeu. Donc jusque-là, rien de bien sorcier. Et puis, si t'as la chance de découvrir un fois quelque chose, tu te dépêches de gratter le gain qui est en dessous en espérant que c'est pas 5 balles. Et pour finir la petite présentation de ces tickets, pour le x5, c'est 5 balles, pour le x10, c'est 10 balles, et pour le x20, Donc heureusement qu'ils nous ont pas sorti un x500, parce que là, personne n'aurait pu se le payer. Voilà, maintenant qu'on est au courant de tout ça... Super. On va attaquer par le premier ticket. Allez, go. Alors c'est parti pour le premier de ces tickets, donc le x5, le plus petit, qui coûte déjà 5 balles. Et puis pour 5 francs, ils se sont dit on va leur mettre que 3 numéros gagnants. Donc, ça vaut pas plus. Alors allons-y avec nos 3 numéros gagnants, qui sont le 15, 38 et le 7. Alors on espère en retrouver au moins un, on va dire, dans les 10 numéros qu'ils nous proposent sur la grille de jeu. Alors c'est parti, on y va avec... J'ai presque cru qu'il y avait le 7, mais non, c'est le 2. Bon, on va pas gratter les gains, on s'en fout, ils sont pas à nous. Le 27 non plus, on l'a pas. Le 31, on a que le 38, le 8, ça y est, il commence déjà à m'énerver avec un 100 balles, qui finira pas dans mes poches. Alors on continue avec un 19, mais dans la dizaine, on a que le 15. De toute façon, on a que 3 numéros, donc c'est sûr qu'on va pas se retrouver avec des cinquantaines, des soixantaines, des trentaines et tout ce que tu veux, forcément. Alors on y va, deuxième colonne, c'est parti. Et puis on a un 37 à la place de notre 38, et puis il continue à se foutre de ma gueule avec un autre 100 balles, je commence à avoir l'habitude. Et puis on a un 16 à la place de notre 15. Et puis là il y avait un minable 5 balles, tu vois, mais ils sont pas foutus de me le donner. Par contre, je rappelle qu'on peut trouver un sigle fois quelque chose. Alors ça serait plutôt cool. Allons-y, on y va. On a un 13, mais on s'en fout. Et puis un 25, on s'en fout aussi. Et puis pour le dernier numéro, j'ai bien l'impression que je vais le prendre dans le... Mais on s'en fout aussi. Rien pour ce premier x5. Allez, on passe directement au x10. Donc voilà ce fameux ticket, et puis on y va direct avec nos numéros, c'est parti. Et on a le 62, le 42, est-ce qu'on va tout faire dans les deux? Non, le 19, le 29 et le 49. On est tout dans les 9 ou dans les 2. Donc si on n'a pas un de ces deux numéros à la fin de nos numéros dans la grille, on est baisé. Je pense que tout le monde m'a compris. Alors c'est parti, premier numéro, le 38. J'avais dit si c'est pas des 9 ou des 2, c'est foutu. Le 45, le 25, le 51. Donc pas de 2, pas de 9, le 77 ou le 77 et le 39. Mais malheureusement on a le 19, le 29 ou le 49. Oui, parce que des 9 et des 2 on va en trouver, mais il faut encore que ce soit nos numéros, Alors c'est parti, on continue. Allez, on y croit quand même, Le 28, ça sert à rien de gratter. Le 26, le 41, le 42, le 60, aïe, 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 aïe. Le 63, on s'en fout. Le 33 et puis le 32. Ça m'en fait lâcher la pièce. On s'aperçoit qu'on a déjà gratté la moitié des numéros, voire plus, je crois. Et puis, toujours rien. Deuxième ticket quand même, 15 balles. Alors, on continue avec un numéro 15, un numéro 34. Super, c'est magnifique. Un 56, un 71 ou 71. J'ai l'impression que ce x10... comme je l'ai dit pour le x5, ce qui m'intéresserait bien, ça serait aussi de découvrir un petit sigle fois quelque chose. Alors, c'est parti. On y va avec un 58. Ça ressemble pas à un X, Un 48. Et puis un 53. Donc il nous reste 4 numéros, puis pas de sigle fois, et puis... Rien pour nous. Alors on continue avec un 17, un 36, avant-dernier numéro, un 16. Ceux-là, c'est moi qui les ai achetés. Dernier numéro.
numéro, hein, on va faire traîner plus longtemps. Et puis, bah ouais, on apporte fois quelque chose et puis ça finit par un 4. Non, quelle misère. Alors, bah, on continue avec le x20, quoi. Allez, go. Alors, d'après les statistiques actuellement en Suisse, le x20 serait le ticket avec lequel on aurait le plus de chances de décrocher un 100 balles. Alors, bah, ça fait un petit moment que je cours après ce gain. Alors, bah, allons-y, on espère qu'il est là-dessous. Allez, go. Les numéros gagnants sont 75 ou 75, 56, 41, 57, 24 et 88. Bon, bah, du coup, on a un petit peu plus de choix. Alors, bah, c'est parti. Premier numéro, on y va. Et on a un 95. Non, moi, c'était le 75. Alors, deuxième numéro, avec un 58, 88... 56. Alors, on continue avec un 22. Hein, j'ai bien l'impression qu'on va faire choublon encore une fois avec ces trois tickets. 35 balles quand même. Hein. 49, bah, on l'a pas. C'était sur l'autre ticket. Le 53, on l'a pas non plus. Ça commence un petit peu à m'énerver. Le 91 ou le 91, bah, on s'en fout. Et puis, le 87, bon, on avait le 88. Et puis, dessous, bon, il y avait 500 balles, hein, tu vois. Alors, bah, on continue. On essaye de pas péter les plombs tout de suite avec un 92. Ou 92. Et puis, on y va. Hein. Il nous en reste pas mal, quand même. Un 45. Non, hein, évidemment. Et puis, on aura un 57. Merde. Alors là, par contre... Je l'ai. Alors, qu'est-ce qui nous met sous le 57, hein. Je dévoile déjà parce qu'il y avait un petit peu... 20 francs. Alors, on a déjà 20 balles. Alors là, c'est plutôt cool. Donc, effectivement, ça fait deux fois que je gagne avec le x20, donc je dirais que c'est mon ticket de prédilection, hein. Alors j'y vais, alors je continue, j'espère franchement qu'on va encore regagner quelque chose, un 93 ou un 93, 20 balles, ça c'est plutôt cool, hein. Alors maintenant il nous faudrait un fois quelque chose, un 35, donc ça on s'en fout, alors, j'ai bien peur qu'ils nous mettent qu'une seule somme, hein, parce que là c'est quand même 20 balles, donc un 72 ou un 72, mais on s'en fout, un 79 c'est pareil, et puis un 36 qui nous amène à rien. Alors qu'est-ce qu'on a dessous? Un 98, mais bon, là, tu vois. Et puis, notre fameux 39 de tout à l'heure, je crois. Mais bon, on s'en fout. Donc, déjà 20 balles. Et il nous reste la moitié des chiffres à gratter. Alors, il faut vraiment qu'on trouve encore quelque chose d'autre, quoi. Ça serait cool. Je rappelle quand même qu'il y a 35 balles d'investissement. Hein. Alors, on y va. C'est parti. Un 70 ou un 70. Voilà, même punition. Un 78, toujours rien. Un 47, non. Un 77, non plus. Putain, c'est pas vrai, quoi. Est-ce qu'ils vont me donner un deuxième quelque chose? J'ai un peu de la peine à y croire. Mais bon, un 94, non. Et puis, un 67, ben... c'est le 57 que j'avais. Le 25 à la place du 24. Non, ben voilà. Hein, ça aurait fait 50 000 et 20 francs. Alors là, ça me va aussi. Hein. Et puis, ben là, un 69. Alors, hein, mon fameux 69. Mais avec mon 100 balles, d'ailleurs. Mais comme j'ai pas le 69. Hein, voilà. Le 89. Voilà, pour une fois, on avait le 88. Et puis, il nous reste encore une pleine colonne à gratter. Alors, on se frotte les mains. Et puis, on continue avec un 42. Du 41. Oula. Ouais, d'accord. Bon, là, c'était le gain maximum, hein, 500 000. 500 000 et 20 francs. Donc, on continue avec un 23. Taquine quand même à la place du 24 avec 5000 balles. Hein? Alors on enchaîne avec un 73 ou 73, on s'en fout. 76, là par contre, bon, il y avait 30 balles, ça aurait fait 50. Magnifique quoi quand même. Hein. Alors j'aurais pas battu mon record, mais bon, j'aurais eu 50 balles. Et puis là, on a un 55 à la place de notre 56, mais bon, encore une fois, il y a du maximum lourd dessous. On continue avec un 29, fou complètement. Et puis un 27, c'est le même tarif. Donc deux numéros, hein. Ça veut dire que c'est l'avant-dernier. Alors j'y vais avec un 85 ou un 85 que j'ai pas, et puis le tout dernier numéro j'aurai un qui me sert à rien. Bah voilà, encore une fois, la loterie suisse romande aura eu le dessus sur moi, comme à chaque fois d'ailleurs. Mais bon, j'ai quand même récupéré 20 balles. Réjouissons-nous, à peine 15 francs de perdu. Par rapport à d'habitude où je me prends la totale dans le cul. Bref, sur ce, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez du soleil, et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.